Link start. Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ça y est, on se retrouve à nouveau sur Sword Art Online avec Siation Licorice. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Ça fait depuis un petit moment là que j'ai pu jouer à ce Sword Art Online avec Siation Licorice. Hein, après avoir fait on va dire mon petit rush là, ma petite soirée la dernière fois. Et donc là voilà, ça y est, j'ai décidé de reprendre ma manette, de retourner sur l'ordi et de retourner sur ce jeu. Et donc ben, la dernière fois, si vous vous souvenez bien, il fallait à nouveau eh bien rejoindre Soltirena là dans la plaine de Cordia pour à nouveau eh bien faire une petite mission extrascolaire comme elle l'appelle avec EGO tout simplement, parce que comme vous le saviez, on avait rejoint Centauria, on était devenus des élèves voilà, de l'académie et compagnie. Et donc on avait fait le gros coupage hein, entre Zakaria et Centauria, malheureusement. Mais bon, écoutez là, on est reparti. Et donc bah, j'espère que vous êtes chaud comme d'habitude hein, pour cet nouvel épisode. Parce que moi, je suis chaud pour continuer cette aventure et voir ce qu'il en suit. Et apparemment, j'ai remarqué que les temps de chargement, là, depuis que j'ai lancé le jeu, les temps de chargement ont l'air beaucoup plus rapides. Ce qui est très agréable à voir. Des bêtes ont été aperçues dans le coin, paraît-il. La vigilance est de mise. Ah bah c'est limite exactement comme la première fois où on est allé quoi. Art sacré R2 pour afficher la roue. Oh. Une fois l'art sacré se mettra à charger, quand la charge est terminée, relâchez. Ensuite R2 pour lancer l'art sacré. Sympa. Alors non. Alors attends, maintenez, ah oui, R2. Ok. Oh. Sympa. Bah ouais, maintenant on l'a appris. On l'a appris avec EGO. Zarma Elemento. Et là je l'ai dans la main. Oh. Oh, ça devient jouissif. Oh les gens, je vous le dis, ça commence à devenir jouissif là. Oh. T'es Charles. Oh là, regardez, là je vise et tout. Nice. Avec le petit bruit et tout, le petit tac et tout. Ah, c'est vraiment, vraiment très sympa. Hein. Alors, mais franchement, avoir ce genre de petites choses comme ça là qui intervient au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, c'est trop bon quoi. Dire pouvoir utiliser les arts sacrés là comme ça et les envoyer. Oh. En plus tu sens la violence quoi, la puissance quoi quand il va et qu'il envoie son élément quoi, c'est. Ah c'est trop bon. J'ai vraiment hâte d'arriver à la cathédrale et tout et affronter les chevaliers et gravir celle-ci. J'ai vraiment hâte de voir comment ils ont fait ça et tout, parce que franchement ça risque d'être trop épique quoi. Alors, que se passe-t-il ici? Oh putain, des dindons. Ah bah ouais, des gros dindons là, niveau 2 là, j'ai l'impression. Oui, elles ont l'air coriaces, mais je suis sûr que tout ira bien. Voilà qui fait plaisir à entendre. Aux armes. Eh oui, allez, aux armes citoyens. Formez les bataillons. Alors attends, voilà, laisse-moi charger. Voilà, merci, bon. Ça fait pas beaucoup de dégâts, hein, on va pas se mentir, mais bon. Alors attends, faut changer. Ah ok, apparemment je peux pas utiliser Sortiena pour l'instant là. Allez vas-y. Il faut le mettre en PLS pour pouvoir le faire sauter comme un sac de patates. Vas-y. Allez. Aïe, il faut se calmer. Wow, non. D'où il me soulève? D'où il me soulève comme ça ouais. C'est moi qui va te soulever, connard. Tac, tac, tac. Et dans ta race, va. Et maintenant, on va te faire morfler. Vas-y. Ah, ils sont résistants, les connards. Hein. Ah, on doit enchaîner les techniques, là. Hein. Ah, il peut plus, EGO, là. Là, je crois que EGO, il est crevé. Allez. Eh, décidément, là, c'est un combat... Wow.
Ok, ok. Alors attendez là. Là, on va un peu reculer là. EGO prend très cher. Hein, hein. Tu me diras, je prends aussi très cher, hein, mais bon. Allez. Merde, il m'a arrêté. Il m'a arrêté dans mon coup. Allez, toi tu meurs. Toi tu meurs. Voilà. Bon, il en reste un par contre. Allez, Metal K, même top. Oh. Ok, ok. Cristalli. Oh. Sympa. On peut vraiment faire des bons combos, je pense, avec... avec les éléments, quoi. Waouh, waouh, waouh. Ça devient un peu chaud, là. Ok. Ah, ok, c'est comme ça pour changer, ouais. J'avais totalement zappé comment faire pour changer entre EGO et Solterina, là. Ok. Bon, je pense que ça les flash, peut-être. On va prendre une petite potion, au cas où, hein. Allez, 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 on défense. C'est putain de dindon, putain, c'est un dindon. Et il nous fait chier. Tiens, prends ça. Voilà. Et non, tu vas bouffer tes morts. Allez, voilà. Oh la vache, quoi. Eh, je pensais pas qu'on galérerait autant face à des dindons, quoi. Mais bon, c'était un bon combat, là. Là, c'était un bon combat, façon de s'entraîner et tout, de voir un peu les éléments, quoi. C'était la dernière. Excellent travail, les gars. Merci. Content qu'on s'en soit bien sorti. Je m'en serais clairement pas sorti seul. Heureusement que vous étiez là. Ouais, tu m'étonnes, ouais, clairement. Hein. Moi-même, clairement, je m'en serais pas sorti seul, je pense. Hein. Même face à des dindons. Hein. Ouais, c'est parti. On retourne tout simplement, eh bien... vers la capitale, voilà. Vers Santoria. C'est parti. En tout cas, bah ouais, très sympathique. Vraiment, j'aime bien vraiment là. Le fait qu'il y a des éléments et tout. Surtout que chaque élément a l'air vraiment de faire. Voilà, une attaque différente, d'une portée différente, une défense. Enfin voilà, quoi, vraiment. Tu vois que. Il y a moyen, comme je vous l'ai dit, de faire des combos et tout. De faire vraiment des. Des trucs très sympathiques et je pense vraiment qu'il va falloir bien utiliser cela pour la suite. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir vraiment maîtriser, quoi. Hop, on ramasse les marguerites et on retourne du coup à Santoria, tout simplement, pour eh bien continuer, hein, voilà, avancer dans cette aventure. Alors que ce début de vidéo est, on va dire, très extrême, direct face à ces dindons. D'un côté, ça fait plaisir, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal quand même de texte, hein. Il y a quand même beaucoup plus dans les vidéos, il y a quand même beaucoup plus de texte que de gameplay. Mais voilà, là, ce gameplay de début était vraiment sympathique, quoi, avec ces dindons là, hyper puissants de la mort, là. Et puis bon, après, les textes, ben, ça restait ça haut et tout, donc c'est que du bon, quoi. Moi, je kiffe bien, quoi. Même si c'est clair que quand on a envie d'arrêter une vidéo et qu'ils n'arrêtent pas de parler, ah, ça peut un peu... Ah, stop. Ah bah ouais, en tout cas, ouais, les temps de chargement, ils sont beaucoup plus rapides, hein. Je sais pas si c'est parce que les zones ont été préchargées, donc c'est pour ça, ou si c'est parce qu'ils ont fait une petite mise à jour pour améliorer ce point-là, quoi. Je sais pas si une mise à jour est capable d'améliorer des temps de chargement, mais voilà. Ah mais non, chaque soir avec EGO, on a vraiment plein d'explications sur le monde, sur telle et telle chose. Hein. Ah. Ah ouais, ok. Oh là là, noble roturier. Vas-y, noble roturier. Ah ouais, ok. Oh là là, noble roturier. 貴族は定律修験学院を無条件で受験できるんだ。
Ok, ouais, donc le fameux nom de famille, comme dit. なるほど。6つの階級があるのか。え、oui. Ensuite, lignée de nobles. それにしても貴族ってあんまりいい印象がないんだよな。確かに。ライオスやウンベールは思い切り僕たちをバカにしていたしね。そういえば、キリトがザッカリアの剣術大会で戦った彼も貴族の血を引いていたんだっけ。ああ、まさか。 On n'a vu ni Kinky Mokuroku no Ura ou Kako to Seriatsu ga iru nante na. Ouais, le fameux cheater du tournoi que malheureusement on n'a pas pu voir parce qu'ils ont sauté la scène. Osoraku, Kinky Mokuroku o mamoru ki wa aru nda kedo, yatsura hōritsu ni taishite, heimin to wa chigau kankaku o motteru. Jibun no yokubou o mitasu tame nara, sono hō no nuke ana o mitsukeru koto ga yūyō na shidan da tte kangaeta kara na. Ah, ça rappelle des choses qui vont arriver par la suite, hein. 貴族って確か一等借家から四等借家に平民に対して厳しい嫌なやつが多いんだっけ。身も蓋もない言い方だけど、そうだね。それは主に狩猟地からの収入で生活している貴族が、その四等借家までの階級に多いからだと思う。自分は働かずに狩猟地の小作人に厳しい課税をして贅沢をするような人たちだからさ。なるほどな。 貴族が特権階級だってことは分かったけどさ、貴族に与えられた特権ってどんなものがあるんだ。そうだね。貴族には貴族債決権というものが与えられているよ。あ、ルファム。貴族債決権は帝国基本法に定められた四等借子までの貴族に与えられた権利だ。五等借子、六等借子および狩猟地の民に好きな懲罰を与えることができるものなんだって。 la fameuse punition. Allez, on va dire fin. On va dire fin parce que c'est bon, les nobles, voilà, on a compris quoi. Arigato, Yujiro. Kizoku no koto wa mai yori mo wakatta ki ga suru. Sou kai? Mata kimi natta ra itsu demo kiite. Voilà, c'est plein de petites choses qu'on savait déjà à peu près, mais bon, c'est toujours bien comme ça de. De re-savoir ça, de réentendre ça, quoi. Oh, un mois plus tard, on est le 09. Ya. Bonjour Kirito, il y a les examens aujourd'hui, donc pas de temps à perdre. Ah. Oh, c'est vrai. ¿Tajoubu? Ça va? Gomena. Ah, désolé, juste un peu de stress avant l'examen. Ah. Donc tu faisais bien des cauchemars hier soir. Hein? Tu parlais dans mon sommeil? Ah non, oui, mais je n'ai pas compris grand chose. Ce que j'ai entendu, c'était... Je suis vraiment désolé, les gars. Oh. Mince, ça devait être ce rêve. Tes souvenirs te reviennent? C'était un moment douloureux de ton passé? C'est juste une vague image, rien de concret. J'ai tendance à toujours essayer de porter le dernier coup. Je ne suis pas sûr de comprendre, comme quand on était en garnison. Ces créatures sauvages sont apparues, que tu as porté le coup meurtrier à chaque fois. Et tu as été récompensé par de la bonne viande en tant que roi du coup meurtrier. Ah, ok. Oui, et des gens sont fâchés car j'ai essayé de m'attribuer tous les mérites. Oui, mais selon moi, ça se serait mal passé si tu n'avais pas fait. Je crois que j'ai fait quelque chose du même genre par le passé. Et dans mon rêve, Asu... Oh, quelqu'un s'en prenait à moi pour ça. Oh, oh, dans ce cas, c'est moins un cauchemar et plus une punition méritée. Ouais. Tu ne comprends pas, j'aime porter la derme... le roi du dernier coup, du coup meurtrier. Content que ce soit pas grave. Sers-toi de cet enthousiasme aux examens. Hein. Ouais, je ne suis pas totalement remis, mais pas besoin de t'inquiéter, Eugéo. Ah là, en tout cas, je me demande quand on va passer là. Qu'on va passer à la prochaine année, là, en terminale, genre, en guillemets, quoi. Je me demande bien, là. J'ai trop hâte de voir Ronnie et Tizé, là, forcément. Second examen d'aptitude. Parfait.
qu'est-ce qu'il va falloir faire cette fois-ci, cette dernière fois. Il fallait juste stopper les coups. C'est presque l'heure d'examen d'aptitude. Ah oui, ne bouge pas Kirito. Hein? D'accord, pourquoi? Tu verras. Oh. Voilà, c'est fini. C'est une petite bénédiction qu'on récite à Ruid. Enfin, une simple prière. L'examen détermine nos chances de devenir chevalier. Faisons notre mieux. Carrément, et merci pour la bénédiction de Staria. Staria. Terraria, comment tu peux mélanger le nom de Stasia et le sien? L'autre fois c'était Solaria, horrible mélange de celui, c'est Terraria. Ah, j'avais complètement oublié, désolé. Et merci au Géo, j'apprécie. Ah, même après tes blasphèmes, je doute que tu échoues. Et comment? Et pareil pour toi, Géo. Ces roturiers pathétiques et leurs subversions ridicules. Hein? Tu as entendu? Tout à fait, Raios. Même la miséricorde sans borne de Terraria ne les sauvera pas. Il paraît que le village de Géo est si paumé que leur nourriture est ignoble. Ils ne doivent pas être si paumés s'ils ont été admis ici. Mais ça ne durera pas. Leur escrime plébienne ne peuvent arriver à la cheville. On a survécu à des combats perdus d'avance, en fait. Alors arrêtez les insultes et priez que les déesses ne se lassent pas de bouffe. Ah, toujours aussi ignorant, les nobles naissent éternellement bénis, sauf dans la maison Ortinanos. Qu'est-ce que tu lui veux à Medina? Oui. Aspirante Ortinanos, pourquoi te lier à une épée entraînement cassée? Ce n'est pas parce que une chose est cassée qu'elle est inutilisable. Cette raison te va si bien. Quand on parle du loup. Bon, on a des choses à faire, pas comme vous, vermine. En effet, Raios. Préparons-nous pour les examens. Medina. Donc ce sont ces deux crétins, ne sont pas les seuls nobles à la traiter comme ça. Pourquoi? Je me demande si elle va bien. Pareil, l'examen approche, alors nous occupons nous de ça une autre fois. J'arrive plus à lire. Bonne idée, on a tous d'autres préoccupations en ce moment. Eh bien, décidément, vous pouvez dévier certaines attaques ennemies en inclinant vers la gauche ou la droite. Ah! Donc ça consiste en ça l'examen. Alors attends. En inclinant? Mais comment ça? Comment ça en inclinant? Ah! Ok. Voilà, comme ça en gros. Putain, je savais pas que ça avait que ça jouait aussi le droit de gauche quoi. Voilà, ok. J'espère que c'est bien ce que je fais. Hein. Ah ouais, apparemment oui. Ah nickel, c'est ça. Bon toi, tu vas te calmer là. Je ne peux plus rien faire, alors rien me taper. Ok, nickel. Voilà, un examen au KLM. Je pensais que les examens, ils allaient me demander genre d'utiliser les airs sacrés et tout, mais pas du tout. Il suffit juste de parer à droite ou à gauche quoi. Alors, du coup, que va-t-il se passer dès à présent? Parce que là, il parlait à Medina, mais genre, il parlait de la meuf qui se bat avec une épée cassée, je sais pas quoi. Alors, ça a peut-être un rapport avec son escrime ou son épée, je ne sais pas. Si tout le monde se fout de sa gueule, là. On va bien voir. Super, deuxième examen fini, les résultats devraient être affichés au tableau. Tu es classé 9ème et moi 8ème. On a réussi à rester dans le top 10. Ce soir on fait la fête, je vais sortir tous les gâteaux achetés à la capitale. Ça me va, même si on a seulement fait 2 des 4 sujets. Ah ouais, il en reste encore 2 quand même. Ah oui, il me reste encore un petit chemin avant. Alors n'en parle pas, j'ai besoin d'une pause de toute façon.
Je peux tout potasser en une nuit pour l'examen théorique. Tout ira bien. Hey, qui va devoir t'aider à potasser? Moi, donc hors de question. Oh, Medina est classée 35e. Ah ouais. Ah ouais, ok, ah ouais, c'est pas ouf quoi. C'est pas trop mal, ouais. Tu écoutes? Pardon, je suis juste surpris. Elle semblait bien meilleure quand je l'ai affrontée. Ah bah ouais. Quoi? Ah oui, peut-être que c'était juste pas son jour. Ouais, qui sait. Ouais, parce que... Hors de mon chemin. Oh, salut, désolé pour... Inutile de t'excuser. Je suis mal classé. Tu as tout à fait le droit de me critiquer. Je ne te critiquais pas, je voulais juste... je m'inquiète pour toi. Toi? Pour moi? Tu as toujours été super doué à l'épée, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Kirito ne se moquerait jamais de toi. Il est trop... il est juste trop maternel, parfois. Ça va? Par les déesses, je ne supporte pas que tu insistes pour te mêler de mes affaires. Je ne me sens pas bien, c'est tout. Donc je retourne au dortoir pour me reposer. Medina! Attends, Medina! Je suppose que ce n'est pas sa journée. Elle n'avait pas l'air dans son assiette. Ouais, peut-être, mais quand même. Tu as vu Ortinados? Une posture atroce, dure de croire qu'elle est noble. J'ai failli m'étouffer en la voyant. Il faudrait bien la féliciter à notre retour. Ouais, c'est bel et bien, comme je disais, sa technique de combat ou sa posture et tout qui fait que... On dirait que je vais encore devoir vérifier si elle va bien. Putain, décidément, il y a tout le monde qui se fout de sa gueule, quoi. Oh! Une musique de noble vaurien? Ou non, pas du tout. Non, non. Ah merci, parce que j'en avais marre de faire toutes les voix. Parler à Medina, partir. Ah ouais. On peut vraiment choisir de soit parler, soit partir. Je sais pas, d'un côté, dans certains jeux, c'est mauvais d'aller parler aux personnes qui font que trop pousser, parce qu'après, elles vont vraiment péter les plombs. Donc c'est mieux de laisser, on va dire, couler. Mais pour le coup, là, je me dis Kirito et tout, il dirait parler direct sans hésiter, quoi. Surtout qu'elle s'est peut-être emmerdée par des nobles, donc autant aller voir ce qui se passe, quoi. Hein? Ah, si. Pardon? Écolière soumise? あまり言ってやるな。本人の耳に入ったら何をされるか分かったものではない。さ、俺はメディナと同じクラスの奴らだな。それも貴族の連中だ。メディナの靴がないのはあいつらの仕業なのか。ダメだ。やっぱり見過ごせない。 メディナ、俺だよ、キリトだ。なんだ、お前か。やっぱりいつもより覇気がないな。なんでだろう。あと、それどころじゃない。メディナ、その、どうして裸足なんだ。さあな。あの生徒たちがやったのか。以前、私に構うなと言ったはずだが。 そんな状況じゃないだろう。靴はどうしたんだ。もしかして盗まれたのか。盗みは禁忌目録で禁止されているであろう。それは知ってるよ。でもあいつらの仕業なのは間違いないんだな。やっぱりそうか。でも盗みが禁止されているならどうやって靴を隠したんだ。いやそれ以前になぜメディナがこんなことの標的になっているのかが俺にはさっぱりわからない。 お前は本当に何も知らないのだな。禁忌目録で禁じられている盗みとは、他人の所有物を無断で自らに所属させることだ。他人のものを持ち歩くか、自宅に置くかしてから24時間が経てば、所有権が移動して盗みとなる。逆に言えば、24時間以内に返却するのであれば、他人の所有物をどこに持ち出そうが禁忌違反にはならない。 その仕組みを利用して禁忌に触れずにメディナの靴を隠したってわけなのか。禁忌目録に違反しなければ何をしてもいいっていうのか。
奴らに言わせれば、そこにあったものを少々移動しただけだということだろう。仕組みは理解したよ。でも、どうしてメディナがこんな目にあっているんだ。それは私が。いや、オルティナノスケが欠陥品だからだ。欠陥品？どういうも何も、そのままの意味だ。 Désolé, Kirito, mais tu pars trop lentement. これは私が生まれる前のことだから、父から聞いた話なのだかな。オルティナノスキはもともとは一等爵家であり、武官として高い評価を受けた一族だった。しかしある日、最高司祭様は我ら一族を欠陥品と呼び、二等爵家の降格を命じた。最高司祭っていうのは、高利教会の一番偉い人だろ。 その最高司祭の怒りを買ったということか。怒りを買ったなら降格どころでは済まないだろう。最高司祭の気まぐれなのか、それとも何か思惑があったのか。欠陥品という認識があるために他の貴族たちはオルティナノスケには何をしてもいいと考えている。皇帝も同じだ。オルティナノスケにわざと辺境の貧しい資料地を与えて他の仕事に就くことは許さない。 二等爵士とは名ばかりの貧しい暮らしだ。六等爵士どころか平民の方がまだマシかもしれないな。最高司祭の一言が原因でそんな酷い扱いをされているっていうのか。ああ、今のままではオルティナノスケの私に待つ未来はろくなものではない。だから私は必ずや大きな武勲を立てて最高司祭様に認めてもらう。 そしてオルティナノスケ、父の汚名を注いでみせる。もう二度と欠陥品などと呼ばせないために。 Alors c'est ça son histoire, c'est en gros ils ont été rétrogradés comme de la merde par l'archevêque suprême et on ne sait pas trop pourquoi elle a fait ça. Et du coup maintenant elle a juste envie de devenir chevalière pour clairement montrer aux autres que c'était pas des merdes quoi. Ok, bon. Même si je pense que si Kunella a fait ça c'était pour une raison très spécifique hein. メディナのお父さん、なく、はあ、まあいいよ、forcément。私の父はどんなに罵られ、恥ずかしめを受けようとも、誇りを失わない人だった。オルティナノスケは強く正しく、誇りを失わない。それが家訓であり、私が父から受け継ぎし信条だ。そうか、だからメディナは一人で強くなったり。 武勲を立てることに執着していたのか。この話を聞いた以上は放ってはおけないな。迷惑がられるかもしれないが、メディナの力になりたいよ。ああ、迷惑だ。<笑>まあそう言わずにさ、まずは手分けして靴を探しに行こう。お前には関係ないだろう。それに24時間経てば靴は戻ってくるのだ。もう気は済んだだろう。私は行くぞ。 あ、ちょっと待てよ。あらら、行っちゃったな。今の俺にできることはあまりないかもしれないけど、なんとかしてあげたいな。 Et bon, ça c'est bien notre Kirito quand même. Hein. Ça c'est bien notre Kirito. Hein. Décidément, il a de la patience. Hein. Ah, mon, mukatsuke, 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 mukatsuke. Aitsu, nan no kankei mo nai no ni, naze Orutina no Suke de aru watashi ni kakawatte kuru. 面倒だ、目障りだ、迷惑だ。何より私はどうしてそんな奴に話してしまったんだろう。関係ないのに。やあ、メディナ。あ、どうも。私に何の用ですか？何の用とは釣れないな。君と私は愛し合う仲じゃないか。おいえ。要件は手短にお願いします。なんだ、 その口の利き方は、将来の夫に対して礼節を書くとは思わないのか。申し訳ありません。謝るしかできないのか。さすがは無能な欠陥品、オルティナノスケの一族だな。キャリトイはアイウェイ師匠。まあいい。お前は私より入学試験の成績も随分下だった。入学して以来の成績も随分と私に劣っている。 自分よりも劣ったものに対しては情けをかけなくてはな。なんだその目は。 いえ、
私は何も。私に逆らう気ならば縁談は白紙だぞ。どうせお前程度の実力では学院を出た後行く先などない。オルティナノスケの人間を皇帝が騎士団に迎え入れることなどありえない。また信用ならない欠陥品に近衛兵の任務をお与えになるとも思えん。しかし聖豪騎士になれば使えるのは最高司祭様となり皇帝陛下ではありません。何がおかしいのですか。なぜお前のような欠陥品が首席で学院を卒業し四帝国統一大会で優勝できると考えている。冗談も大概にしろ。お前にそんな実力があるはずもない。お前もバカな父親と同じようにあの貧しい資料地で一生終えるのがせいぜいの行く末だ。お前とオルティナノスケの未来は私の手に握られている。逆らわない方が身のためだぞ。さて少しお前に頼みたいことがあるのだが聞いてもらえるだろうか。ここは学院です。それに私にはやるべき課題があって。いいのか。拒絶するなら婚約は破棄する。未来の妻として当然の義務だろう。いつも通り従順に振る舞えばいい。分かっているな。はい。Eh ben merde, sacrée histoire ça. Mukatsuke. Mukatsuke, 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 Mukatsuke. Mukatsuke, 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 Mukatsuke. C'est bon, on a compris que c'était ta phrase fétiche, clairement. Hein. Mais bon, en tout cas, on sait c'est qui le fameux élève qui était venu la voir l'autre jour. Hein. C'est clairement pas son frère. So, omae wa watashi ni damatte shitagatte ireba ii. それが欠陥品にふさわしい役目なのだから。我らを疑っているのか。では我が息子とあなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。許すものか。いつか必ずお前たちを。私は負けない。必ずや我がオルティナノスケの汚名を注ぎ名誉を取り戻してみせる。私と一族の未来そして誇りのために。えばえば。Ah, c'est vraiment une histoire ouais, voilà, de noble reclus, quoi, clairement, et tout. Et encore une discussion avec Géouf. Kinki Mokuroku だけで1000を超える禁止事項があるのに、その上帝国基本法まで覚えなくちゃいけないなんてさ。キリトは記憶喪失で禁忌目録の項目を全部覚えていないから。余計にしんどいよね。そうなんだよ、笑い事じゃないぜ。それからこの上級法を優先せよって決まりはともかく厄介だよな。うん、もちろん禁忌目録は上で帝国基本法がその次だから分かりやすくはあるんだけど、たまに似たような法律が重なった場合だとかを想定した引っ掛け問題があるからね。法の序列としては禁忌目録、それから帝国基本法、その下に学院則とかの掟があるってわけだ。アビア貴族採決権は五等爵士、六等爵士の貴族、それから資料地民に何でも命じることができるって法だけどさ、貴族採決権は帝国基本法の中にある法律、つまり禁忌目録の方が上級法として優先されるってことだよな。確かにそうなるけど、それがどうかしたの？いやだから、人を罰するにせよ、貴族採決権にも一応限界が設けられてるんだなと思ってさ。それでも恐ろしいよ。修験学院を退学だとか、学院の外周を走り続けろなんて命じられたらどうする？なるほど。
上位貴族の奴らはいくらでも法の抜け穴をかいくぐれるってことだよな。はあ、今友情が挙げたようなものならばまだ可愛いものだ。オーケービッシュ、オーケービッシュ。きっとやる気になれば貴族はもっと残酷なことをできる。禁忌目録の抜け穴をかいくぐるようなこと、言いがかりだっていくらでもつけられるし、貴族には今後やっぱり注意すべきだな。キリト、ぼーっとしているようだけど、そろそろ勉強に戻った方が良くないかい？ああ悪い、ユージは。そうだな。まあ、désolé。Désolé, voilà. Ah, vous avez vu, hein, c'est vraiment, c'est comme je vous l'ai dit dans ce jeu, il y a vraiment, enfin, en tout cas dans les vidéos, ah, il y a encore un mois qui est passé. Il y a 20% de gameplay et après 80% de discussion, quoi. Pourquoi pas, écoute. そういえば学院で見つけた猫、まだあそこに住み着いているなら腹を空かせているかも。せっかくだし餌を買っていってやるか。前に見たのはこの辺りのはずだけど、いないな。もう学院の敷地からは出て行っちゃったのかもな。餌は無駄になっちゃったけど仕方ない。帰るか。ふざけるな。この声。うんふん。まさか、この私に反論する気か？そういうわけでは。ではなぜ断る？ただ、今は都合が悪いだけで。言い訳をするな！お前ごときが、欠陥品のくせにこの私に逆らうとは生意気だ！ああ。おい、あんた！お前は以前メリナといた男か。邪魔をしないでもらえるか。今は大事な話をしている最中だ。悪いけど、目の前で友人が叩かれるのを黙って見過ごすなんてことはできない。ちっ、まあいいだろう。だがお前が私の邪魔をしたことは忘れない。次に会った時は覚えておけ。大丈夫か、メディナ。余計なこと。あのまま見過ごすことはできないって。このままではまた頬を痛むか。治療が必要なら。触るな。ああ、ごめん。本当に大丈夫なのか、メディナ。手が震えて。気にするな、平気だ。では私は行く。おい、メディナ！普段は勝ち気なメディナがあんな風になるなんて、一体何に怯えているんだ？Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, ça fait, je crois, 20 minutes qu'on enchaîne que les dialogues. Et on enchaîne des mois, mais what the fuck, on est déjà le 11. Juste pour la scène d'avant, on était le 10, et là, on est déjà passé au 11, quoi. Ouais, donc au fait, on va peut-être vite passer à la prochaine année, hein. Piouf, j'ai mal partout. Pire que quand on est le cèdre titanesque tous les jours. Yeah. Bonjour Kirito, comment ça va ce matin? Rina-senpai. Bah, je viens de te le dire. Oh, salut Rina, merci d'être 31 avec moi hier. Daga. J'espère juste que je n'en ai pas trop fait. Ça a duré longtemps. Non, pas du tout. J'ai beaucoup appris grâce à toi. Les examens approchent, je ne dois pas me laisser distraire. Hein. J'aime cette attitude. On continuera à s'entraîner ce soir alors. J'ai augmenté ton nombre de coups pour aujourd'hui. Et je veux aussi ajouter une centaine d'esquives au fouet. Et j'ai un superbe jeu de poids que tu pourras porter pour travailler tes muscles. Quoi? Rien du tout, j'apprécie que tu fasses ton effort pour moi. Et je suis ton mentor, je ne l'hésiterai jamais, j'ai hâte d'être ce soir. Hein. j'ai bien de la chance. Rina est gentille, mais elle a tendance à jouer sergent instructeur parfois. Ah bah écoute, si après tu peux devenir plus fort et tout, et apprendre de ces techniques, ça reste intéressant, Mai no Kirito, hein.
En tout cas, cet épisode va durer assez longtemps une fois de plus parce que, ben, j'arrive pas à m'arrêter. Hein. いえ、先輩みたいにうまく受けなかすまでにはなかなか慣れません。使いこなせるに越したことはないが、問題はないさ。キリトの剣は私以上に攻めの剣だ。攻撃の力を伸ばしていくことがさらなる上達への近道だろう。剣を交える度、お前のアインクラッド流は進化していく。 Désolé, je t'ai coupé. お前も飲むか。水なしでは干からびてしまうぞ。ありがとうございます。お前とはもう半年以上の付き合いになるな。 ね、なんだかあっという間でした。それでもお前は変わったぞ。入学試験の時より顔立ちまで大人びたような気がする。あの、リーナ先輩？なんだ？なぜ先輩は俺を側付きに選んでくれたのですか？それはお前の剣、アインクラッド流の剣風に我が流派セルルド流に似たものを感じたからだ。 つまりアインクラッド流が実戦向きの剣術だからですか。ああ、だが我がセルルド流もキリトの剣に比べればまだ硬いことをお前と剣を交えて思い知ったよ。そしてお前は入学試験で試験官と誰より良い勝負をしていた。実はお前を側付きに指名するにあたってはちょっとした慣習破りをしているのだ。 慣習破り。ああ、貴族の子女が側付き練習を選ぶときは同じ貴族の、しかし等級が自分より低いものを指名するべし。そんな慣習があるのだよ。私がお前を指名したときは上級貴族代表どもが寮の部屋まで抗議に来たものさ。知りませんでした。それでも私は お前の剣のすべてを知りたいと願ったのだ。リーナ先輩。話しすぎてしまったな。そろそろ再開しようか。今度の検定試験は3回目。お前だけでなく他の修験士たちも力をつけている。ああ、ça devient intéressant alors。3ème examen déjà。断せず対策を行って勝ち進むことだ。このまま実力を磨けば T'inquiète pas, ça va le faire. Dites-moi juste c'est qui je dois éclater. Et je l'éclate de suite. Enfin, quoique, on va essayer d'arrêter l'épisode. Et puis, vous savez quoi, on va s'arrêter là, les gens. On va s'arrêter là, sinon l'épisode va vraiment durer trop longtemps. Et là, honnêtement, vous le voyez, ça fait, je crois, une vingtaine de minutes, hein, vraiment, vraiment, ça fait une vingtaine de minutes, je crois, que je fais que enchaîner les dialogues, 15-20 minutes. Donc, du coup, les gens, on va se laisser là pour cette partie, cette vidéo, voilà, de Sword Art Online, Civilization et Corée. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, la prochaine fois, on continuera tout simplement, et je pense qu'on va finir par arriver à la prochaine année, après avoir fait les deux derniers tests. Je pense que là, d'accord. Je pense que là on va vraiment finir par arriver à la prochaine année. Et donc ça risque d'être très intéressant. Allez les gens, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.